Bonjour la France, bonjour le monde! Bam, y a de la musique, on est bien, on est là, on est présent. Oh la merde. Comment ça va les gars? Eh, j'ai mis le nouveau t-shirt PES 2021. Ouais, je le trouve beau. Même ma femme, elle l'a validé. Elle dit, si, il est beau. Je dis, tu sais, il y en a sur le live, ils disent qu'il est moche. Elle a dit, ah, c'est des connards, ils ont pas de goût. J'ai dit, bah quand même, respecte les gens et tout. Bon, bref. Ça va les amis? Ça va mon sickness? Quand est-ce que tu viens faire un match, mon sickness? Ça va? T'as réussi le cadeau de ta femme? Non, toujours pas, toujours pas. Je pense que je vais le ressort pour Pâques. Hein. Ça, Gino, ça, Brizzy, ça va tout le monde. Bon, les gars, il y a plein de nouveautés sur le live. Là, un truc, j'ai travaillé d'arrache-doigt de pied. J'ai travaillé d'arrache-doigt de pied. Déjà, regardez quand je change de scène. Bam! Une petite transition. Lulu qui jongle. Eh ouais, les gars. Eh ouais, les gars. Deuxième chose. Eh ouais, mon Phoenix. Deuxième chose. Regardez là-bas. Tout là-bas. Nouvelle donation. C'est le CC qui m'a juste après le live envoyé un message et il m'a offert une carte PSN 20 euros pour que je prenne l'édition du Bayern. Donc, chose que j'ai faite. Voilà. Ah, t'as plus d'endurance? Bah, faut que tu fasses des. T'alternes avec une autre équipe. Donc voilà. 7 au placard, exactement. Donc, l'édition Bayern qui va nous donner notamment bah, Kane, hein, le maillot et 3000 pièces. Donc c'est toujours ça de prix, ça fait plaisir. Merci Cécile, on va l'attendre bien sûr. Hein. Et nouvelle chose, c'est qu'avec vos points de chaîne, maintenant, regardez les merguez, vous allez pouvoir les dépenser pour afficher des choses. Par contre, attention, faut pas faire n'importe quoi. Les rouges, c'est des sons. Et les bleus foncés, c'est des émotes. Par exemple, tu peux afficher ça avec 5000 merguez. La chatte qu'il a, la chatte! Voilà, des choses comme ça, des nouveautés, j'espère que ça vous plaira. N'en abusez pas, sinon ça va être relou. Mais surtout faites-le au bon moment. Parce que si vous le faites, par exemple là, vous mettez la chatte, aucun rapport, c'est le ban. C'est le petit ban de 5 minutes. Voilà, pour la punition. Faut taper avec le coup de bâton de magique, exactement, mon Zula. Yo mon PSMS Masteres, comment ça va? Donc, bon bah les gars, hein, on va récupérer tout ça. Hein. Hop là, on a reçu tous les objets. Ça va mon GZ? Donc hier on s'était quitté sur 6 victoires d'affilée. Hein. Le Lulu il était chaud, chaud les marrons chauds. Le Kane, je crois qu'il est là. On va aller le récupérer tout de suite. Il est là le Kane. Ah beau gosse. Ah il est là mon CC. Merci mon CC. Regarde, je t'ai mis là-bas dans donation. Bon bah Kane, hein, les gars, s'il est pas bon, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible qu'il soit pas bon. Putain, il est fort ce con. Ah voilà. GZ il a utilisé ça. Ah, GZ, ça c'est pour CC. Combien vous avez les mecs? Qui c'est qui a le plus de. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a le plus de merguez sur cette chaîne. J'aimerais bien savoir qui c'est. Voilà, non, j'ai pas touché. Voilà, GZ il fait des conneries, il va être ban. GZ il fait des conneries, il va être ban. T'as 128 000. Ah ouais, j'ai pas mis assez cher. J'aurais dû mettre plus cher. Ah ouais, je suis con. Allez, mon petit Kane, on va aller le booster bien sûr. On a eu également. On a des petits packs à ouvrir. Bah écoutez, on va les ouvrir. Hein. Ça mange pas de pain de mie. Hein. Ça mange pas de pain de mie. Hein. Ça y est, j'ai mis le petit Brandao. J'ai pas touché ou j'ai pas touché ou. Ça, c'est quand je fais des petits tacs par derrière, vous avez le droit de le mettre. Ok. Et on peut faire des prédictions. Bah ça, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi tu peux pas faire de prédictions, mon CC. Je comprends pas. Ok. On a eu Kennedy. Fous-moi le camp. C'est une pépite, j'en ai rien à foutre. On a eu Stephens. Voilà. Il fait chaud là-dedans. Ensuite, on a une petite bouliche en argent. Et je comprends pas, mon CC, pourquoi tu peux pas faire de prédiction. Yo, mon John, comment ça va? Ah, je crois que c'était. Bah oui, Wendell. Ouais, il peut me servir, lui donne un petit argent. À la rigueur, je vais le garder. Le tuto tac par derrière n'est pas sorti, non. Ah, il est beau mon t-shirt. Hein. Bah oui. Il est beau mon t-shirt. Mais attendez, normalement, je vais recevoir des nouvelles choses. Mais je vous en dis pas plus. N'en dis pas plus, Luthor. Allez. Italie. Ok. Yo, mon Chris. Barella. Ah, Barella, petite pépite, ça. 23 ans. Ouais, Barella, je vais le garder. Tu me diras, est-ce que je vais l'utiliser un jour? Je ne sais pas, mais bon. Et du coup, normalement, on a tout. Ouais, on a tout utilisé. Ok.
Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré des pièces. Ça fait plaisir. C'est ton pote Bruce Granek? Pas du tout. Enfin, moi, je l'aime bien, mais il me connaît pas trop, quoi. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu deux fois. Ouais, j'ai vu, Mesut, il va partir. Bah, écoute, quel plaisir, hein. On est toujours en 2005 chez Luthor. Eh ben oui! Allez, Oliver. Oliver Kahn! Ouh! Ah, ok, c'est... Ah bon, bah, rip alors. Ah, désolé, hein, désolé, mon CC, tu peux pas prédictionner. Je sais pas si je peux changer ça. Je regarderai. Bah, du coup, merde, j'ai pas... Ah ouais, mais attends, j'ai tellement de goals qu'on va en dégager, les gars. Je vous rappelle qu'on a une team goal. Et je n'aime pas trop avoir la goal pour rien. Alors, position. Hop. Alors, qui on dégage, les gars? Qui on dégage? Qui on dégage? Ter Stegen, on l'a déjà. Courtois, on garde. Lopez, on dégage. Rajkovic, on dégage. Bernardoni, je le garde. Martinez, je dégage. Bah oui, il y a Palois. C'est la base. Yo, Mathieu, tu ressembles à Palois. Ouais, bah écoute, tranquille. Hein. Moi, je ressemble pas à un cul, c'est déjà bien. Hein, ouais, on va le booster, on va le booster. Lopez, ça dégage. Leno. Non, Leno, je vais le garder pour. Ouais, Leno, je vais le garder parce que si on fait une équipe à thème, Arsenal. Après, je vais tèche qui? Je vais tèche qui? Je vais tèche Courtois. Je vais. Ouais, puis écoute, ça sera déjà bien. Je vais tèche ceux-là, là. Hop! Allez, on les convertit. On les convertit! T'as Ter Stegen max! Ouais, ils sont. Bah, j'en ai pas mal. Je sais pas combien j'en ai au max, moi. Après, ça sert à rien de les monter max parce que quand ils ont 99 partout, tu vas gagner des trucs qui te servent à rien, tu vois. Par exemple, clairement, Kane. Kane, quand il regarde, il a déjà. Il lui manque juste dégagement à 99. Après, il a tout à 99. Donc, ce que tu vas augmenter, ça sert à rien. Vois ce que je veux dire? Toi, t'as Tej. Ah ouais, t'as carrément Tej. Non, franchement, 7, j'aime bien. 7, il est pas mauvais, hein. Faut pas dire qu'il est mauvais, tu vois. Mais des fois, il se foire, quoi. Regardez là ce qu'il gagne. Ça a rien changé sur ses stats. Il a gagné puissance de tir, on s'en fout. Agressivité, on s'en fout. Au pire, il peut gagner un peu de vitesse, 72. Détente, un peu de détente. Sinon, mais finalement, en gardien, il a déjà 99. Donc, yo, mon Ben, comment ça va? Tu vois, Alisson, 19 sur 22, ils sont pratiquement tous au max. Hein. Hop! 7, je le trouve lourd. Ouais, bah, je sais pas, il y a des trucs, des fois, il est chelou. Ok, bah en plus il a déjà le collectif. Tu tryhard FM 21. Bah moi dès que je passe partenaire, j'espère. J'espère bientôt. Et bah je ferai des lives FM. Je ferai des lives FM. Bah écoutez les gars, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit match? Attends, on n'est pas là pour poser du lino, les gars. Hein. Match douille. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on va réussir à garder notre série d'invisibilité? Les joueurs les plus méta. Les joueurs les plus méta. Bah, physique rapide. Physique rapide. T'as CR7, Messi, du classique, quoi. Lukaku, très méta cette année. Ah oui, mon Mzula, il est excellent. Je suis excellent. Il est excellent. Ouais, ça va aller, je pense, l'endurance là. Allez. Premier match du jour. J'ai joué sur PC. Comme j'ai mis en tweet, il y a. Tu bats 3-1 un mec, ça commence à laguer, à friser. Hop, ça déco. Le match n'est pas comptabilisé. Oh là là, on tombe déjà sur un bon joueur. Ça me l'a jamais fait sur PS4 encore. Et là, en quelques matchs sur PC, ça me l'a déjà fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, les gars. Allez, on va se mettre sur notre beau maillot. Il est où? Il est là. Voilà. Lui, on va le mettre en orange. T'es quatrième avec le SCO, bah c'est pas mal, hein.
Ok, il joue comme ça. On va passer MLG, MLD. Ok. Ok, on va lui mettre un petit marquage sur Ronaldinho. Lui aussi, il joue à 3 def. Ouais. Ah, est-ce qu'il joue en L1 triangle ou en triangle tout court? Non. Il joue quand même vachement. Ouais. Non, il joue pas beaucoup. J'aime bien les mecs comme ça parce que lui, tu vois, il marque des buts qui sont pas toujours les mêmes, quoi. Là, on voit qu'il y avait à peu près. C'était à peu près équilibré. Et cible de contre. Par contre, lui, il a pas le même Del Piero que moi. Hein. Del Piero à 100. Ah, il a Pirlo. On va voir ce qu'il donne, hein, Pirlo. Il a Chesney dans les buts. Il est très fort. Salut, mon Forza! Que des numéros 10 dans ta team. Bah ouais! Bah ouais, mon Mzoula, moi je kiffe Match Day. Écoute, c'est là où je réussis le mieux. Moi je trouve que Match Day, quand t'as beaucoup de joueurs de l'équipe que tu utilises, et bah ça annule une partie du script. Après, peut-être que c'est dans ma tête, hein, mais vraiment, je trouve. Mais c'est. Il y a de grandes chances que ce soit dans ma tête, tu vois. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Et là, j'ai mis des nouveaux emotes aussi. Putain, c'est ça que je vous ai pas dit. Alors regardez, j'ai mis ça. Jamais, 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 jamais. Et ça, quand je mène 1-0 et que j'arrive pas à marquer le deuxième. 1 plus 1 égale 2. Non. Qu'est-ce que je suis fort. Ah, Fro, t'es d'accord avec moi. Qu'est-ce que je suis drôle. C'est quoi cette passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, merci mon sickness pour ton sub! Oh, la faute! Oh! Il se l'emmène pas! Non, j'ai pas touché! Oh! J'ai pas touché! Ah ouais, pronostic! Pronostic! Ah, il part pas! C'est dangereux ça! La Juve gagnante. Hein, ça va être un beau match parce qu'il a, il y a du niveau. Putain, la passe. Bien Kane, bien Kane. Ton image est vachement claire. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Ah, par contre, il a pas le dégagement en bas. Aïe. Ah, il n'a pas le dégagement bas. Ah! 30 000 merguez, salut mon Mehdi! Oh putain, ça lui passe à côté! Ah! Toujours pas modo, mais dis, c'est honteux. Yo, mon JBEC! Que je pense pas à rajouter des modos, moi. Mais non, il est hors jeu. Mais non! T'as pas le droit! T'es con! Je te jure, t'es con! Del Piero, il y a un 2 contre 3. Oh, merci, mon Karim, pour ton sub! Merci, frérot! Merci beaucoup. Et ceux qui sont sub, ils ont leur merguez doublée. Ah, on s'en fout, mais je. Ah, pourquoi pas le dire, tu vois?
Y'a que du booba là-dessus ou quoi? Attention, attention, attention. Ça dure. Ah, Yomo Davos. Ah, il tombe, il se relève. C'est pas bon ça. À quoi sert d'être célèbre? Est-ce qu'il y aura la rediff sur YouTube? Oui, mon Titi. Normalement. En général, je l'aimais. Quand je l'aimais pas, c'est que soit parce que j'ai trop ragé, j'ai dit trop de gros mots. Oh, pff, non! Mais quand je l'aimais pas, c'est qu'il y a une raison. Ah ouais les gars, vous mettez, en fait vous mettez pour rien les trucs, vous, faut que je mette plus cher. Faut que je mette plus cher. Putain. Ouh lolo. Bienvenue Bucure. Mais non, mais attends, il est bugué son Del Piero, il attire tous les ballons. À quoi sert d'être célèbre? Oh! Aïe! La tristesse, bah ouais! Ah, de rien, Joker! Ça fait plaisir! Wouah! Il manque un échange de rire contre des dents, c'est vrai. Ouais, ça va mon Mehdi, et toi? Ah, ça va nickel les amis. Ça fait plaisir de vous retrouver. Grâce à CC, on va pouvoir packer un peu demain. Il joue bien, hein. C'est deux fois qu'il me nique pareil. Arrête! Mais c'est abusé ça! C'est abusé! Bienvenue Oli Marcos! Putain, il fait une roulade ça! Le défenseur il réagit pas! La chatte qu'il a! Ouais, c'est pas la chatte mais. Ah, t'as vu Davos? Espèce de saucisse! Là, il joue bien, il joue bien! Salut Oli! Il joue bien! Hein. Vraiment, c'est un bon joueur! T'as mis 30 000 VH, je suis ruiné! Ah! Désolé! Ah, écoute, il joue bien! C'est le premier match. C'est trop bien mon truc. Ah, est-ce que ça fait plaisir? Non, non, faut que je mette cher, sinon. Art de la roulette. Ouais, grave. Surtout la roulette comme ça. La roulette retournée à l'arrêt. Franchement, ouais, mon DC cherche la balle. Bah ouais, Twitch c'est tellement fort. On est des. Ah, GZT con. Ouais, mais en merguez, vous êtes riche, mon GZ, normalement. Vas-y! Ah, bah quand même! Putain, je le veux, mon coup franc, moi. Je peux payer en smoule. Ah, dommage, j'étais bien tiré. Oh, ah. Bon, je la tente. Oh là là, il a quand même de la chatte, les gars. Oh là 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 là! Oh ouais, mais moi, Kane, il a pas fait un arrêt.
Il devrait y avoir 2-2, les gars. Putain. Yo Moussouli, il devrait y avoir 2-2. Il gère trop bien le Del Piro, lui. Hein. Il gère trop bien le Del Piro. Oh lolo. Retrait. Ah! Il y a foot. Il y a rien. Ah bien joué. Tu l'as pas. Oh là là, mais il fait des trucs de ouf. Je te jure, il joue bien. Ah, je loupe deux face à face. Ouais, ouais, franchement, il joue super bien. Ah, désolé, mon Mehdi. Attendez, c'est pas fini, les gars. C'est qui son goal? Chesney, il est trop fort. Je te jure, Chesney, les gars, il est trop fort. J'aurais dû faire un petit lob. Chesney, il est vraiment trop fort. C'est quoi son truc? C'est un... Il joue comment? C'est un 3-2. Bah si, c'est un 3-2-3-2 comme moi. Hein. Sauf qu'il joue beaucoup plus haut. Tu sais quoi, on va jouer haut, nous. Yo, Momo, comment ça va? T'as, si je mets un but, là, il y a moyen. Hein. Un couscous sans merguez. Oh là, il a fait rentrer Rashford. Oh, il passe à travers tout. Ah, t'as misé sur le premier match, là. T'as pris des risques, mon Mehdi. Il maîtrise très bien le dribble, exactement. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui marche. J'ai rien qui marche sur ce match-là. Putain, mais c'est incroyable. Il a les contres. Hein. Ah, bien joué. Oh là là, facile, enfin, si, bien joué. C'est abusé les gars. Parce que lui il a 3 ou 4 occasions, il m'en met 3. Moi j'ai 4 occasions, j'en mets 0. Ah, là, c'est dur. Là, il joue bien. Il joue bien, donc bon, ça me dérange pas. La vérité. En plus, je suis pas sur une série du tout. J'étais sur 6. J'étais pas... Genre encore, ça aurait été ma 5e, j'aurais eu la mort. Oh. Oh, mais là, c'est abusé son gardien, quand même, les gars. C'est abusé son gardien. Encore, vous avez vu ce qu'il m'arrête? Faut que je fasse un émote script. Et il attaque super bien. Après, défensivement, il est pas foufou. Hein. Oh, la remise. Bienvenue, Kaiser. Ah, salut, mon Kaiser. Comment ça va? Non, la merde, ça. Ça lui revient. Ah.
Oh non, pas lui. Pas lui, monsieur. Tu as craqué ton slip, là. Oh, il est incroyable, son gardien. Il est incroyable, son gardien, les gars. Ah, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, les gars. Voilà, c'est de la merde. Chesney, je le trouve trop fort cette année. Et en plus, là, il est en flèche verte vu qu'il est juve. Bon, bah, bien joué. Hein. Bien joué. Pour moi, c'est son gardien qui a fait tout le match. Hein. Après, il joue très bien. Hein. Ouais, son gardien, il est en état de grâce. Hein. Il skill très bien. Il m'a mis des super buts. Mais regardez, j'ai 11 tirs, 9 cadrés. Son gardien, il fait 7 arrêts. Dur. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Dur. Je trouve que j'ai fait un bon match en plus. Ah, écoute. Hein. Le coach Russo. Ah, on va voir. Ah, attendez, on va voir les nouveaux coachs. Ah, bien joué. Franchement, très bon joueur. Luthor, j'ai trahi PES pour FIFA cette année. Oh, bannissez-le. Bah alors, frérot, tu fais ce que tu veux. J'espère que tu kiffes, en tout cas. J'espère que tu kiffes. Tu fais ce que tu veux, mon Kaiser. C'est pas moi qui vais dire quelque chose. Alors là, mon pote. Moi, je t'aimais bien avant, je t'aime toujours maintenant. Hein. Je suis pas comme certains de la commu. Hein, hein les gars hein, on les connaît, hein, on les connaît. Hein. On les connaît. Hein. Ils renieraient leur père s'ils jouaient à FIFA. Je suis pas comme ça, les gars. Tadou. Davos, MDR. Eh oui, frérot. Par contre, toi, si tu passes sur FIFA, attention. Ouais, bah, donne-nous ton retour, mon Kaiser, alors. Parce que du coup, ça va faire une saison maintenant que t'es passé bien. Bah, une demi. Attendez, on va aller voir les coachs. FIFA a des atouts. Hein. Faut pas dire le contraire. Hein. Ceux qui disent le contraire, ils se mentent à eux-mêmes. Hein. FIFA a des atouts. Pirlo, c'est bon, Blastom. Je l'ai pas testé, frérot, Blasto. Il a pas l'air mauvais. Après, surtout, si tu faut pas le jouer avec un MDF. Si tu le joues avec un MDF, c'est du suicide. Hein. Ouais, Oli Marco, bah ouais, en général. Après, Kaiser, c'est un joueur compétitif. Je pense que c'est plus facile pour les mecs qui font du compétitif. Alors, ça, c'est pourri. J'aimerais bien un 5-3-2. Non, un 5-2-2. Un 5-2-1-2. Voilà, j'ai du mal. Chacun a ses atouts, c'est ça. Exactement. C'est ça, mon frérot. J'aimerais jouer Pirlo Beckham. Moi, je pense qu'il faudrait que t'aies Pirlo et un gros MDF à côté. Genre un MDF Gilberto Silva ou truc comme ça, tu vois. Après des années, tu regrettes absolument ta fro. Bah, tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait en 2019. Oh, on a Jean-Louis Gasset. Il me semble qu'il est pas mal. Ouais, Jean-Louis Gasset, il est pas mal. Hein. Franchement, Jean-Louis Gasset, il est pas mal du tout. Par contre, qui comme MDF régulier, je te conseille soit Busquets, soit Casemiro. Après, t'as Busquets, Casemiro. Ouais, je pense que c'est les meilleurs. Il est pas mal du tout. Mais est-ce que les MLG, MLD, on peut les mettre en MO, les gars? Est-ce qu'on peut les mettre en MO? À votre avis? Non? Ouais, il me semble que non. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'il avait un bon truc. Il a un bon dispo. Koning, c'est qui ça? Ozil a Fenerbahçe. C'est quoi? Je vais l'emmener sur mon dos. Bon, il n'y a rien de ouf. Non, je suis pas sûr. Bah, je pense, mais je suis pas sûr. Ah, attends, j'ai pas mis le résultat, les gars.
Ah, vous étiez 99% à voter oui. Et Rashford, Rashford, il va se mettre bien. Rashford, il va gagner le pactole, mon gars. Ouais, après, 36 000, il a pris. Après, bon, mon Kaiser, pour moi, c'est pas le fait d'avoir une grosse équipe, parce que sur FIFA, tu peux garder la même équipe. Sur PES, tu sais très bien que tu peux pas garder la même équipe. Bon, regarde, cette équipe-là, je l'ai pas joué de l'année, par exemple. À part, tiens, la Puyol, Kahn, Gilberto. Sinon, le reste, c'est... Parce que là, je fais match des Juves. C'est ça que je trouve bien, tu vois. Salut, Defcron, comment ça va? Casemiro te fait des dingueries, sérieux? Mais tu le joues dans quel dispo? Tu le joues dans quel dispo? T'es avec 2 MDF ou 1 MDF? Putain, j'ai perdu 9 points quand même, c'est beaucoup. Hein. Nouveau prono, les gars. Allez, nouveau prono, Turgay. C'était Turgay gay ou c'est comment le truc? C'est quoi le truc? Turgay, c'est un mix. Ça va, mon Defcro, et toi? La même que toi, ouais? Ah, Casemiro, je le trouve super fort. Alors, comment il joue, notre ami? Notre ami du lundi. Il joue contre-attaque passe-court, 70% dans l'axe, cible de contre, ok. Pas tellement de triangle, donc ok. Ça boum, Dave, ça boum. Oliver Kahn, mon kid. Bah écoute, sur le premier match, il a pas été ouf. Je vais pas te mentir. Enfin, j'avais un Chesney qui a été beaucoup plus fort. Mais je lui laisse plusieurs matchs, tu vois. Après, on n'est pas là pour débattre, les gars, pour attaquer Kaiser. On n'est pas là pour attaquer Kaiser, les gars. Alors là, on va bien sûr mettre... Ciao. On va mettre... parce que là, il nous faut un MR. On va mettre De Jong. De Jong qui est pour moi. Ce De Jong-là, je l'ai eu, vous savez, avec les... C'était les boosts que tu avais au début de l'année, là. Pour moi, c'est un des meilleurs MR du jeu. Je trouve incroyable. Attends, on va bien sûr changer le maillot. On va mettre le maillot rose, bien sûr. Ronaldo Mbappé, ça va aller fort. Salut, mon Kevin, ça va et toi? Mon maillot que j'ai ici. D'ailleurs, il n'est pas vraiment rose. Hein. Je sais pas c'est quoi comme couleur. C'est une espèce... Ça, ma femme, elle dirait c'est un saumon. Ouais, ma femme, ça, c'est des couleurs de meuf, tu vois. Des couleurs saumon. Nous, il n'y a pas de couleur saumon. Nous, c'est rose ou orange. T'as pas de saumon. Soit t'es rose, soit t'es orange. Ouais, c'est saumon. T'es une meuf, kid, ou quoi, là? Le PS 2022 sur PS5 sera le même sur PS4? Aucune idée, Chris. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que vu que c'est un nouveau moteur graphique, je suis pas sûr que la PS4 supporte le nouveau moteur graphique. C'est possible qu'ils nous fassent... tu sais, comme ils font souvent des changements de console. C'est-à-dire que t'es sur l'ancienne version, sur l'ancienne console, que t'es... Ah, y a faute. Sur l'ancienne console, c'est possible que t'es juste un update, un peu une season update comme on a eu là. Ah ouais, ça va faire des triangles quand même. Si tu les apprends, tu marques des points. C'est vrai, mon... c'est vrai, kid. Ça, c'est vrai. Ah bah, ma femme, en plus, moi, vous savez, elle est ouf au niveau des fringues. Donc, j'ai du mal, là. J'aime vraiment bien Dybala. Autant au début, je l'aimais pas du tout. Et je lui ai monté des niveaux, je le trouve très très bien. Ouais, sur PS5, ils vont garder le Fox Engine. Ça, c'est, j'en suis sûr. Déjà, quand vous voyez comment elle galère avec le Fox Engine, la console, tu te doutes bien que s'ils avaient... C'était pas pour lui. S'ils avaient pu, ils seraient passés avant sur un nouveau moteur. Hein. Dybala, flèche bleue, ouais, c'est un bonheur. Bah, il suffit que je dise ça pour qu'il me fasse une dinguerie. Au centre, il était tout seul, heureusement. Ah ! Non ! Pas deux fois ! Bienvenue, Big Fool !
Bigfoot, pardon. J'ai réduit mon écran à gauche, du coup, je vois plus grand-chose. Ah, il m'a fait quoi là? C'était une question. Merde, de quoi? Par rapport à Fox Engine? Ah, mais moi j'en suis sûr. PS4, les gars, PS4 a galère avec le Fox Engine. Ils vont pas mettre le nouveau moteur. Hein. C'est sûr. C'est sûr pour moi. Pas toi, Zinedine! Non, c'est sûr, les gars. Ah. C'est dommage que ça donne un petit délai quand t'annules. Je pense qu'il faut que je passe côté un peu plus. Hein. Y a moyen de ouf. Y a moyen de ouf. Oh, comment il se fait bouger? Il manque un peu de physique. Après, bah, c'est normal. Hein. Dybala, c'est pas ce qu'on va lui demander. Hein. Ah, il s'est fait eu. Pas terrible, ça. Pas terrible. Ça peut passer. Non. Pas ouf. Pas ouf. Il défend bien. Hein. Il défend bien. J'ai eu un peu de chance de... Après, il est pas passé en offensif. Non, même pas. Je suis dessus. Après, il défend beaucoup avec... Oh putain. Bien joué, but. Ouf. Il défend beaucoup avec... avec son Vira. Il défend beaucoup avec son Vira. Je voulais savoir s'il sera le même en fonction de la différence entre les consoles. Bah non, parce que pour moi sur le salut Elche, pour moi sur PS4 t'auras le même gameplay que là. T'auras pas le nouveau gameplay pour moi. Après attention, je peux me tromper. Hein. Doublé pour Dybala! Yomo Benze! Ken te sauve, il a fait un bel arrêt. Doublé pour Dybala! Oh, il lui a tapé dedans. Demain, il y a des bons joueurs qui sortent. Hein. Il y a des très bons joueurs. Hein. Ah, la passe! La joie! Grosse nouveauté, Elche, ouais! Mais avec les merguez, vous pouvez. Maintenant, avec les merguez, vous pouvez payer en merguez pour afficher des gifs sur le stream. Et puis, il y a une grosse nouveauté, Kane, quand même, les gars. Ouais, je pense pas, Brizzy. Franchement, j'y crois, moi. Après, on verra. Il faut pas s'enflammer avec Konami. Oubliez pas, les gars, que c'est quand on attend rien de Konami qui sont les meilleurs. Ils nous l'ont encore prouvé cette année. Bien joué ça. On sait qu'il n'y a que 2-1, ça veut rien dire. La preuve, regarde, je vais lui faire une passe D là. Ouh là là, je suis bien revenu. Ah oh, putain, faut que j'apprenne le dégagement bas. Ça c'est...
Il joue pas le 1-2. La petite faute. Tu passes. 1-2. Ah, pourquoi il a fait ça? Il a fait un truc chelou. Il a fait un... Yo Manto, comment ça va? Il a fait un truc chelou quand il a pris le ballon. Bien joué ça. Ah, il y a trop de monde devant. Tout de suite. Tel Pierrot. J'ai lâché l'accélérateur. Je savais qu'il allait venir comme un ouf. Ça va, Moret, toi? Je savais qu'il... Regarde là. Je savais qu'il allait venir comme un ouf. Bah écoute, on se venge du match d'avant. J'espère que vous avez voté pour moi, les gars. Ah, le contrôle. Oh là là, oh là là. Il m'a coupé en deux un peu, non? Oh, y'a faute! Yo, mon PFM, comment ça va? Ah, mais c'est déjà la deuxième mi-temps. Putain, je croyais que c'était la... Oh là, ouais, tu vois, là. Ah! Attention, goal Manu. Oh. Bienvenue Romano. Ah, je suis gourmand. Ah, de toute façon, aucun jeu n'est parfait, ça c'est sûr. Mais moi, tu sais ce qui me rassure? C'est que là, sur FIFA, ils ont sorti FIFA Next Gen. Et que le gameplay, il est aussi pourri que le FIFA Old Gen. Ça veut dire que c'est vraiment un choix de la part de FIFA de faire des gameplays comme ça, tu vois. Enfin, pourri pour moi, attention les gars. Pourri pourri par rapport à moi, ce que je pense. D'ailleurs, il est beaucoup critiqué. Donc... S'ils sont capables de faire le même gameplay avec leur jeu next-gen, bah non, l'année prochaine, on est tranquille, tu vois. Ils feront pareil. C'est débile, hein. Oh, la faute. Ah oui. Le gameplay, apparemment, le gameplay PS5, c'est le même que le gameplay, aussi pourri que le gameplay PS4. Ah oui, l'année prochaine, on change, c'est sûr. Non. Par contre, là, un truc qui est très fort, et j'ai hâte du coup de voir la réponse de PS, c'est sur la modélisation. Les joueurs, ils sont super bien faits sur PS5, sur FIFA. Il y a même des face-makers qui utilisent qui convertissent les phases de FIFA PS5 pour les mettre sur PES. On parle beaucoup de ça avec Hidekun. Oh. Oh, il est pourri votre Ken, les gars. Non, FIFA, ils ont déjà changé leur moteur. Des face makers. Face. Il sert à quoi le point match day? T'as des récompenses. Bah, les licences, on a plus de licences que pour moi. Regarde, nous, on a la Juve. Ils ont pas la Juve. On a le Barça en partenariat. Waouh, la chatte. Pouf, éclatez le but. Si ça, c'est comme ta meuf, ouais, c'est ça. Non, c'est comme ta meuf chaudasse. C'est comme ton ex chaudasse, Kaiser. Et quand t'es célibataire, bah, tu sais que si t'as besoin, elle est là, tu vois. Elle dira pas non. Mais pff, quand tu fais, tu sais que c'est nul, quoi. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est ça, FIFA. C'est une meuf qui est pas belle, qui est belle, mais qu'est-ce qu'elle est teubée, tu vois. Mais par contre, elle fait tout au pieu, quoi. Voilà, c'est la tristesse.
Ils sont encore sur Frostbite. Écoute, Brady, je crois, hein, je suis presque sûr. Hein. Mais après, je t'avoue, je ne m'intéresse pas assez à FIFA pour avoir des certitudes. Donc, c'est possible grandement que je me trompe. Hein. Déjà, même quand je connais le sujet, je dis des conneries. Alors, t'imagines quand je maîtrise pas le sujet. Kaiser, t'as vu, elle te plaît ma petite comparaison. Ouais. Igli. Qu'est-ce qu'il faisait des bons sons, la fouine, à l'époque. Rip. Hein. Rip la fouine. Maintenant, c'est le furet. Oh, dégagement manuel là-dessus. Ah bah écoute. Frostbite. Fige, pige. Frostbite. Ouais, il s'appelle Frostbite, le moteur graphique de FIFA Old Gen. Passer de Booba à la fouine. Ah, à l'époque, c'était ça. Oh là là, oh là là, CR7. Oh là là, j'ai bien joué. Et il prend le contre. Encore, c'est pas grave. Le nom me fait délirer. Ah, bah. Frostbite. Après, on le dit avec notre vieux accent français, tu vois. Eux, ça veut pas dire. Ça veut pas dire le froid de la teub ou un truc comme ça, tu vois. T'es comme la fouine, Luthor, personne peut te stopper. Oh, merci, moi, Milton. Pige. Et Kaiser, quand on lui dit reviens sur PS, reviens. Jamais. Ah. Luthor, j'ai quel âge? J'ai 33 ans. Je vais avoir 34, quoi. Je vais sur 34. J'ai 33 ans et demi parce que mon anniversaire, c'est au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, j'ai 30. Ouais, pas et demi, quoi. Presque. Ouais, ça m'étonne pas, Fro. Tu pourrais prononcer Frostbite. Merci, Arian. Oh, merci, Arian. Bah oui, tu croyais que j'avais quel âge, Brady? Merci, Arian. Cœur sur toi, Arian. Merci pour ton raid. J'espère que ton live s'est bien passé. Je reviens en 2022. Ah! Pas. Comprenez qu'il tombe de haut. Oh, ça doit être tellement bizarre la rediff YouTube. D'ailleurs, mettez des likes. Quand tu m'entends chanter mais que t'as pas le son. Bienvenue dans la team du mois d'août. Ouais. Je voulais faire un truc un peu de jeune, mais j'ai foiré. Salut Orion. Bienvenue à toi Orion. Fem. Peut-être 87. Bah oui. Ça, mon amour. Il a eu la fève. Oh, abusé. Elle est belle. Bah dommage, t'as perdu. Génération 87. Ouais. Les POG, les BI. Ouais. Club Dorothée, ma gueule. Dragon Ball Z. Les survêtements à pression, si. Une génération qui n'attendait rien et qui a rien eu. Voilà. Oh. Ah, prédiction. Boomer, ça me dit quelque chose, Bomber. Ah ouais, là, vous étiez 99% à penser que j'allais gagner. Ah, prédiction, je gagne ou je paye. Oh. La meilleure génération. Mais toi, t'es pas de 86, Sickness. J'étais RP, je fais une grosse pause. 90, ah. Ouais, Benzema, Menez. Ouais, Mal Nasri. Pas la meilleure génération, hein. Enfin la génération. Ah, 85, je savais que t'étais vieux. Enfin, c'était une bonne génération, mais à part Benzema, les autres, ils ont pas fait grand chose. Est-ce qu'on mettrait un marquage sur Cruyff en MO? Bah oui. Bah j'ai envie. Bim! Menez, Ben Arfa,
Menez, Ben Arfa, Nasri. Nasri, encore, ça va, mais il aurait pu tellement mieux faire. Ah oui, Hamilton. Nasri, il a quand même fait des gros clubs. Il a fait Arsenal, notamment. Cruyff, trop vif. Cruyff, il est fort. Hein. Cruyff, il serait encore dans les packs, j'aurais packé. Mais là, à part Cafu, il n'y a rien qui me chauffe. Et je sais que je ne ferai pas de match day Milan, tu vois. Arrête tes questions. Ouais, Menez, il est pas au PFC, un truc comme ça. Il est pas au PFC, les gars, Menez. Mais je me demande. Puis la merde, la carte de Nasri. Bah, en fait, il a fait des grands clubs, mais il a pas fait. Il a fait City aussi, Nasri. Putain, il a fait. Non, il a quand même fait Arsenal City. Quand même. Ah non, D2 italienne. Ouais, gâchis de ouf. Après, c'est des mecs qui ont quand même un cerveau un peu atrophié, les gars. On va pas se mentir, hein. Faut pouvoir dire la vérité aussi. Hein. Comme tu es. Fuyez pas, les joueurs. Oh, il l'a lâché. Mais non, au deuxième, il est tout seul. C'est comme Anelka. Hein. Anelka, tu vois son. Il a. Anelka, il avait fait un truc là sur. Je crois que c'était sur Netflix où il raconte un peu sa carrière et tout. Après, il la raconte quand même à sa sauce. Hein. Mais quand t'as vécu la période, c'était quand même un mec chelou. Hein, avec une mentalité quand même bizarre. Gourcuff! Moi, j'ai pas trouvé que c'était un super reportage sur Anelka parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction. C'est comme si toi, tu racontes ta propre vie. Ta vie, elle est géniale. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mes joueurs, ils font des trucs chelous. Arrête tes questions. Ça passe? Tu vois là, pourquoi mes attaquants, ils s'écartent autant? Ça me rend ouf. Oh, du gauche, tranquille. Gourcuff! Ouais, c'est ça, exactement, Vegas. Auto-centré sur lui, pas de remise en question. Non, Gourcuff, il a quand même été champion de France. Après, je pense que ça l'a cramé, c'est Milan. Et après, mental de chips aussi. Hein. On va pas se mentir, hein, mental de chips. Putain. But. Ah ouais, c'était sûr. Oh, quoi. Ouais, j'ai de la chance. Je pense qu'on juge. Bah, salut Free le Hibou. Non, Fro, c'est pas jugé. Moi, je juge le joueur. Je juge pas l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Je me permettrai pas de juger l'homme. Putain, j'ai l'impression que ces joueurs, ils sont méga vifs. Mais non, mais retourne-toi! But. Eh ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont trop vifs, ces joueurs. Les miens, ils bougent pas. Ouais, j'ai pris le pack Free Luibou. J'ai pris le pack mon poteau. Ils bougent pas mes joueurs. Ouais, ça passe pas. Tu vois tu les vois les matchs. Oh. Ah, y a faute là. Oh, 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 oh. Merci à CC. Hein. C'est grâce à CC. Il est bien tiré. Hein. Après, c'est dur de les mettre d'ici.
Oui, CR7. Le contrôle. Salut, mon Pixie. Non, Gourcuff. Ouais, je pense que mentalement, il s'est cramé trop jeune. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a eu trop de pression. Et... Puis après, voilà. Physique de chips. Hein. Physique de chips, les gars. On va pas se mentir. Hein. Quand t'es fragile dans ton corps, t'es fragile dans ta tête. Regardez, CR7 et Messi. T'as beau les... Même il y en a qui les aiment pas. Bon, je comprends pas, mais bref. T'as beau pas les aimer, les mecs, ils sont jamais blessés. Mais dans leur tête, c'est des monstres. Dans leur tête, pour eux, c'est les meilleurs du monde. Ils doutent jamais. Et la corrélation tête-corps, elle est très importante. Si dans ta tête, t'es fragile, tu seras fragile dans ton corps. C'est la confiance en soi, c'est super important. Parce qu'en fait, tu... Il me fait quoi, lui? Après, tu vas t'auto... But. Tu vas t'auto-convaincre que t'es fragile. C'est comme avec les meufs, les gars. Si dans ta tête, tu penses que t'es beau, bah, t'apparaîtras beau pour les autres. Tu vois. Si tu penses, si t'es pas sûr de toi, oh, l'autre, il passe à travers CR7 comme si c'était ma sœur. Si t'es pas sûr de toi, bah t'apparaîtras pas sûr de toi auprès des meufs. Dommage. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Bienvenue Amine. On va chercher devant. Hein. Pour la faute. Ah oui, eh oui. Comme si c'était ma soeur. Bah oui. Ouais, un peu. Non, mais il y en a plein des joueurs comme ça, les gars. Oh là, attention, on a fait une dinguerie. La 41e, on rejoue derrière tranquille. Oh, c'est pas pour lui. Pas possible les passes, les gars. J'ai mal défendu. Oh, heureusement qu'il est toujours là, lui. Puyol. C'est l'homme de base. Ah, il se fait keblo. J'aurais dû tirer, je suis un sgeg. Il y a un match day, ouais, tous les jours, Amine. Yo, mon Louli, comment ça va? Désolé à ceux que j'ai pas salué, les gars. J'essaie d'être focus quand même, un minimum. Non, mais ça, c'est très important, la psychologie. Et encore plus, parce que moi, vous savez, ceux qui ne savent pas, je suis infirmier dans la vie. Et il y a des gens qui sont en fin de vie. Tout porte à croire qu'ils vont mourir, tu vois, parce que leur fonction vitale, elle ne marche plus. Des fois, le mental, ils sont inconscients, hein, ils sont dans le coma. Des fois, le mental va les faire tenir, par exemple, tant qu'il n'y a pas un enfant qui habite loin, qui n'est pas venu les voir. Ils vont attendre. Des fois, ça peut durer des semaines et des semaines. Hein, moi, je l'ai déjà vécu. Cet enfant va venir et le soir même, la personne va décéder. C'est le mental. Le mental, il est... Le mental du corps humain, il est sous-estimé, mais il est incroyable. Il est incroyable. Bon, c'est un peu glauque ce que je raconte, mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. On peut être sérieux de temps en temps, les gars. On n'est pas que là pour faire la chenille et... Ouais, j'ai galéré, j'aurais dû la faire avant. Comme Favre. Des cartes. Oh là 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 là, mais Puyol, épouse-moi. Fais-moi un enfant, Puyol. Au moins, il aura des cheveux. Non, mais c'est quoi ton contrôle de Zgeg? Tu es mon meilleur. Puyol, il est partout, les gars. Bon, après, les passants pivot comme ça, je veux bien de temps en temps, mais là, faut pas abuser non plus. Ouah, je peux plus sortir.
Mon père a attendu de connaître ses cas. Ouais, bah tu vois, mon sickness. C'est ça. Hein. C'est ça. Tu reprends le taf. Non, Pixie, je suis en vacances encore une semaine. Non, c'est. Alors, c'est. Bah, c'est horrible. Hein. Toi, tu l'as vécu. Mais c'est. D'un sens, c'est tellement beau, tu vois, dans. Oh, incroyable. Reichskard. Putain, Reichskard, il me fait mal. Hein. Il est beau. Encore. Yes. Que je serai meilleur. Fais un tube sur moi, tu es mon meilleur. Il y a un petit être sérieux. Bah, bien sûr, mon CC. Lui, Gulit, c'est des monstres. Ouais, c'est ça, Rachid, exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est un nom. C'est pas que... Que pour les vieux couples, c'est par exemple des personnes qui supportent pas être en maison de retraite et qui vont se laisser mourir, tu vois. Et ça a même un nom, ça s'appelle le syndrome de glissement. Ça a un nom médical, tu vois. Ça s'appelle syndrome de glissement. La tête, elle lâche et du coup, les personnes, ils ont rien. Ils ont rien, ils vont très bien, médicalement parlant. Et pourtant, ils vont décéder. Ah! Ah, Gilberto, lui aussi, c'est mon homme. C'est mon gars sûr. Oh, oh lolo, dinguerie. Ah, il fait que de changer de dispositif. Je sais pas à quoi ça lui sert. C'est à part perturber ses joueurs. Tu es mon meilleur. Tu es mon meilleur. Ah, je reste sur Cruyff, les gars. Ouais, on va changer. C'est qui Bergkamp? Attention, Bergkamp, il peut me faire des folies, lui. Ça sort. Tu vises qui demain, Luthor? Il y a pas mal de joueurs que j'aimerais bien tester. Bah oui, mon fro. J'aimerais bien Wan-Bissaka boost. Hein. Pour moi, c'est le meilleur DD du jeu. Il n'y a pas de débat. Mais après, Everton, il y a des joueurs qui m'intéressent aussi. Alan. Il y a Rodrigue, j'aimerais beaucoup. Oh, il y a faute. Rodrigue de City. Oh, elle sort pas. Ah, mais c'est... il a fait quoi? Bien joué. Décalage, attention. Ouais, il aura dû peut-être avancer. T'as revu qu'il dé... Ouais, j'ai récupéré 3000 pièces grâce à CC, mon Pixie. Parce qu'il m'a offert le pack Bayern. Ça passe. Je dois faire un lob là-dessus. J'ai un mental de chipster aussi. Moi. Ils savent pas qui doit y aller là. Ils sont sérieux. Tu vas. Bien. Non, Dybala. Ça sert à quoi les pièces, Amine? Ça sert à acheter des packs de joueurs. Boost. Tout simplement. Ouais, ouvrir des packs. Pack boost, on va dire. C'est l'épaule! Il a mis l'épaule, non? Il a mis l'épaule, je crois. Tu sais quoi, je fais même pas de changement. Pff, ouais, si, quand même. Je vais servir jusqu'au bout. Vous voyez le marquage? Là, le marquage, si tu fais pas gaffe, tu te dis, ouais, ton Bentancourt, il a rien fait du match. Sauf qu'il était tout le temps là. Tout le temps là pour gêner. J'espère qu'on peut lui mettre le dégagement bas. Elle sort pas. Ouais, si, bien. Allez, elle pose! Cousin! Regardez, il est encore là. Hein. Ah, c'était sûr que ça passait pas. Oh là là là, dinguerie. Dinguerie. Ouais, acheter des entraîneurs également. En fait, c'est les pièces payantes du jeu. Donc, tu peux tout faire avec.
Mais qui peut me stopper? Bien joué. But. Ah, même pas. Il aurait dû l'enrouler. Qui peut stopper Puyol? Personne. Personne peut stopper Puyol. Jamais. Ah, pour, c'est, quelle édition club est la meilleure? Très bonne question. Je vais te les classer pour moi par ordre. Pour moi, en numéro 1, c'est Barça parce que Messi, pour moi, il est incroyable. Je sais pas, Elche, si on a des nouveaux boosts avec les e-points. Pour moi, je dirais Barça. Je dirais Manchester en 2. Je dirais Bayern en 3. Je dirais Juve en 4. Et je mettrais Arsenal en 5. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai pas eue. Parce que c'est vraiment la plus mauvaise des iconiques qu'ils te donnent. Et voilà. Parce qu'en fait, pourquoi je ne mets pas Juve? Parce que tout simplement, pourquoi je le mets si bas? Parce que pour moi, j'ai eu CR7 régulier. Et pour moi, il est pratiquement aussi fort, voire meilleur pour certains trucs. Voilà. Oli Marcos, alors je vais te donner un conseil. Si tu te fais bouger avec les joueurs comme Messi, par exemple Dybala, c'est pareil, c'est que tu accélères trop. Il faut que tu lâches ton accélérateur et tu vas voir qu'il va résister beaucoup mieux au coup. Bah non, en fait, tu sais, la différence entre Messi iconique et Messi normal, bah c'est tout simplement que Messi iconique, il est beaucoup plus rapide. Alors attends, je fais... Regarde, Messi iconique... Ah putain, c'est relou leur... Messi iconique, il a 94-95, d'accord. Et regarde, Messi, je l'ai en boost. Ah putain, c'est que ces touches de merde. Moi, 82-91. Bah ça change tout. Ça change vraiment tout. Pour moi, Messi boost ou Messi régular, pour moi c'est un MO. Vraiment un MO. Messi, pour moi, le régular ou le boost, il peut jouer qu'à un poste. Pour moi, c'est MO. Messi iconique, il peut jouer AC, SA, MO, MLD, AID. Voilà. T'as les 5 et... Ah ouais, t'as les 5. Ah ouais. T'as pas blagué. Mais on n'a pas les mêmes potes. Donc, après, c'est mon avis, les gars. J'ai pas... C'est pas moi qui... Ouais, j'ai... gardien des CDD. Limite. Même MR. Limite MR, il est fort. Après, attention, j'ai pas la science exacte. Hein. Je peux dire des bêtises. Liverpool? Non, Liverpool, franchement, à part Fabinho, que j'aimerais bien les autres. Je vais te dire qui je vise demain. Je vais aller sur le site PES Master Race. Alors, Everton, j'aimerais bien tester Calvert-Lewin, Alan, Dean, ça va. Dean, je pense qu'il peut être pas mal. Au niveau de Leicester, attends, j'ai pas mis les résultats. J'ai gagné. Nouvelle prédiction, les gars. Au niveau de Leicester, personne. Au niveau de Leicester, personne. Au niveau de Liverpool, ouais, Fabinho. Le reste, ça m'intéresse pas trop. Manchester, par contre, Manchester, il y a Rashford qui est toujours fort, Wan-Bissaka et Matic, que j'aimerais bien, Matic en MDF. Au niveau de City, j'aimerais mettre Laporte, je pense qu'il peut être pas mal. Rodri, très fort. Ake, s'il est des bonnes notes de forme, il peut être très fort aussi. Prono, je viens de le faire, frérot. J'ai pas fait ? Si, je l'ai fait, hein. Et Tottenham... Bah, les gars, pour vous, Son et Kane, c'est très fort. Sanchez, qui est très, très fort. Toujours un des meilleurs décès du jeu. Après, le reste, c'est pas fou. Et alors, demain, on devrait avoir Bruno Fernandez offert. Donc, plutôt pas mal. Il n'y a pas une commande CC. Peut-être, je sais pas, mon CC. Il n'y a pas Arsenal. Non, malheureusement, il n'y a pas Arsenal. Bon, après, il y en a déjà pas mal, tu me diras. Ok, une de jeu en une touche, cible de centre, arrière latéraux, interception. Ok. Pas de... Ah, il fait quand même des passes en profondeur, on va voir. Non, il n'y a pas Arsenal. Mais c'est bien que ça change un peu. Leicester, ça change un peu, tu vois.
besoin d'aucune aide, aucune pause, aucune trêve. Bon ou mauvais élève, on est tous les mêmes. Ouais, Bruno Fernandez, ça peut être pas mal. Après, des MO cette année. En fait, tu sais, je vais te tutoyer. Je vais te tutoyer. Chacun d'entre vous, je vais vous tutoyer. Donc, je te parle juste à toi. Tu sais, j'ai beaucoup paqué cette année. On va pas se mentir, j'ai énormément paqué. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour des packs opening. J'ai vu un peu ce qu'il fallait, ce qu'il fallait pas. J'ai paqué des joueurs très bons que j'utiliserai jamais. Et en fait, je pense qu'il faut cibler les packs où tu vas faire les matchs day avec. Ouais, Vieira, 3 points, il est pas ouf. Bah oui, il est beau, mon jumper. Par exemple, Juve, je fais match day. Faut faire une équipe par pays, je pense. Moi, je fais Juve, Barça. En Angleterre, bah, je sais pas encore. J'avais fait Arsenal, mais j'ai pas kiffé. Donc, tu vois, pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut faire plutôt que de packer tous les. Plutôt que de packer tout. Et après, comme ça, ça te fait un petit truc sympa, tu vois. Après, pour moi, si tu packes d'autres trucs, c'est pour faire des entraîneurs, les gars. Après, ça coûte 3 euros. Là, 3 euros, t'as 3 boosts sûrs. Ah, franchement, c'est pas cher du tout. Par rapport à FIFA, c'est pas cher du tout. Bien sûr, c'est mieux. C'est mieux de. Putain, j'ai pas mis mon maillot rose. C'est mieux de jouer en free-to-play, hein, mais ça, c'est. Bah, c'est toujours le même débat, quoi. Bon, vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Ah, il y a la Ninouche. Salut la Ninouche, comment ça va? Elle est direct à l'opposé. Ah, mon Tito, comment ça va? Dégueulasse ce que j'ai fait. Oh, le cible de contre, il va être obligatoire là. T'as la rondelle qui fume. Oh, Dybala! Mais quel but! Mais quel but, les amis! Oh, mes aïeux! Oh, merde! Non! Oh, lolo! Enroulé côté fermé. Ah, elle a embrassé la Lulu. Ah, la passe. Ouf. J'ai les oreilles qui saignent, désolé. Désolé. En France, il n'y a pas eu... Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de match day en France. C'est dommage. Ah, vous avez pas vu le but? Oh, les gars, il est incroyable le but. Ouais, faut pas hésiter à revenir derrière, les gars. Quand c'est comme ça, regarde, ton équipe, elle se replace. Oh lolo, je fais la fête à lui. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez. Même des packs, il y a eu au début de l'année, il y avait eu pack Marseille. D'ailleurs, j'avais eu Payet. J'avais eu Mandanda aussi. Faute. J'ai pas touché. Là, faut le mettre, les gars. Vous êtes pas réactifs. Match day avec les équipes nationales, c'est vrai. Magnifique. Va lâcher l'accélérateur, les gars. Il faut lâcher l'accélérateur. Vous accélérez trop. Ça se la raconte un peu ici, bah bien sûr. C'est dommage qu'on peut pas mettre le replay direct sur... Twitch, t'imagines? Tu sais, tu tapes sur un bouton et hop, ça te met les 15 dernières secondes en replay. Ça se trouve, c'est possible. Hein. Ouais, c'est dommage, Fro. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de match day. C'est bien quand il y a 2-3 match day en même temps. Moi, ça se trouve, c'est kiffant.
Oh la connerie. Ah, j'ai dégagé à l'arrache. Alors me porte pièce. Il va partir. Ça sort, ça sort. Laisse-la. Ah, tu kiffes Cyberpunk? Ah merde, dur. Bah, moi, il faut que je commence Spider-Man. Hein, ouais, j'ai l'accent américain, les gars. C'est ça d'être né dans le Bronx. Ouais. Et vous avez vu, pour 10 000 merguez, vous pouvez acheter une histoire de Luthor le mytho, les gars. Les horaires sont bizarres. Ouais, c'est vrai. Après, c'est mieux sur mobile. Hein. C'est mieux sur mobile parce que t'as 3. C'est sur 3, 2, 2 ou 3 jours, je sais plus. Par contre, si tu tryhardes pas, c'est impossible d'aller en finale. Hein. Putain, faut que je dégage quand c'est comme ça loin. En manuel. Il l'a? Oh, il l'a pas. Oh, bah alors là, ça va être la foire à la saucisse. Hein. Oh, bâtard! Bien joué. Il y a trop de trous dans sa défense, c'est un truc de ouf. Hein. Putain, il est fort, ce con. Pote, c'est un truc qui peut me faire peur. Ah! Je me connais, hein. Bien joué, ça. S'il fait la passe. Ouais, il aurait dû. Il aurait dû faire la passe. Laisse-la tranquille, hein. Bien joué. Dommage. Non, DLS Spider-Man, je pense pas. Bah, tu sais, toujours mon même problème, hein, mon Pixie. Hein. Si je veux être... Non, c'est pas touché. Si je veux être partenaire, faut que je fasse que des lives où il y a plus de 75 viewers de moyenne. Donc, c'est abusé, tu vois. Après, une fois, après, je pourrais faire ce que je veux. Faut que je mette absolument cible défense reculée. Oh, il est pas parti. Ça peut te faire flipper, bah oui. Ça peut me faire flipper de ouf. On va se mettre un petit défense reculée. Petit défense reculée, comme ça, ça... Par contre, faut... quand tu mets défense reculée, faut surtout pas baisser ton bloc. Hein. Ah, si tu baisses ton bloc, laisse tomber. Hein. Après, je pourrais en rajouter plus, mon jumper, tu vois. On croit en toi, merci frérot. Je vais boire un coup, les gars. Je vais boire un coup. Le Burlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, mon fro, tu peux jouer avec la manette, mais c'est sur un émulateur PC. Je trouve que c'est pas ouf. Salut, mon Kenwood. Sofiane, il a fait un tuto là-dessus, si tu veux aller voir sur sa chaîne. Mais je trouve que c'est pas ouf. Et en plus, le jeu, moi, je trouve qu'il est jouable en tactile. Hein. Oh, c'est... Salut, Juju, comment ça va? Salut, Fox. Ça change quoi quand tu réussis les objectifs Twitch? Quels objectifs, mon Davos? Attends, les gars, pas Davos, il est fort à PES, mais intellectuellement. Moi, je suis à 900 et quelques sur mobile. C'est pas mal. Hein. C'est un rond, hein. C'était pas un triangle.
Bien joué. Retrait. Retrait. Il est tout seul. Ah ouais. L'histoire de Lulu. Bah, 10 000 pièces. 10 000 merguez. Ah, vous avez payé 10 000. Mais j'ai pas vu. C'est pas apparu. C'est pas apparu, les gars. Ah bah, j'ai dû... Ça m'a rien mis, les merguez. J'ai pas vu que vous aviez mis ça. Voilà, pas... Une histoire. Ah ouais, vous avez payé pour des histoires. Alors, une histoire, les gars. Bon, bah, vous aurez la même. Vous aurez une histoire. Attendez. D'ailleurs, bientôt, je vais faire une vidéo sur une histoire. Bah, je vais me lancer, les gars. C'est cher payé. Père Castor, 20 000. Allez. Alors, les gars. Me fait carotte sa mère. Je vais en faire une longue, les gars, c'est pas grave. Je vais en faire une longue. Justement, c'était... Ça tombe bien qu'il y ait la fouine qui passe, là. Ça tombe bien qu'il y ait la fouine qui passe, parce que figurez-vous que j'ai déjà fait un freestyle avec la fouine. Je fais un freestyle avec la fouine. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter, les gars, comme d'habitude. Hein. On va pas rentrer dans les détails. Après, c'est un peu à cause de ça. Je vous dis un peu la suite, je vous dis un peu la fin, les gars. C'est un peu à cause de ça que sa carrière, elle est un peu au point mort. Tu vois. C'était un jour, j'étais à Paname, tu vois. Bien sûr, je suis sérieux, frérot. Un jour, j'étais à Paname. Et j'étais comme ça dans la rue. J'avais mes petits écouteurs, tu vois. Et j'étais en train de poser un son comme ça dans la rue. J'aime bien chanter, tu vois. J'étais en train de chanter et tout. Là, 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 pour pas, putain, à moitié rap. C'était moitié rap, moitié du classique. Tu vois ce que je veux dire? C'était du rap classique que moi j'appelais. Genre, il y avait un peu du... Pour que vous compreniez, il y avait un peu du Mozart et un peu du rap. Donc j'étais comme ça en train de rapper et tout. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu dans mes pensées, tu vois, c'est normal quand t'es artiste, après vous devez pas savoir. Tac, je tape dans l'épaule de quelqu'un, tu vois, forcément, tu vois la carrure que j'ai. Le mec, il a un peu volé, tu vois. Le mec, il vole un peu, tu vois, oh, putain et tout, ouais, t'es complètement fou et tout. Bah, je dis, excuse-moi et tout. Il me dit, ouais, attends, t'es pas Luthor. Bah, je dis, si. Il me dit, bah, toi, tu me reconnais pas. Bah, je dis, frère, je t'avoue, pas de ouf, tu vois. Tu me dis quelque chose, t'es peut-être croisé quelque part et tout. Il me dit, je suis la fouine. Là, je me dis, le gars, il se fout de ma gueule, tu vois. Il me dit, le gars, il me dit, une fouine. Il dit, t'es pas une fouine, t'es un humain. Mais il me dit, non, le chanteur, la fouine. Il me dit, regarde sur Google. Je regarde et tout, je dis ah ouais, bah ouais, d'accord, ouais, j'avais déjà, ok, j'avoue, ça me dit quelque chose. Je peux pas connaître tout le monde non plus, les gars. Après, lui, c'est normal qu'il me connaisse. Hein. Oh, magnifique. Et il me dit, ouais, je t'ai entendu chanter et tout. Bah, je dis, ouais, écoute, je kiffe bien. Il me dit, ouais, ça tombe bien, je vais au studio, ça te dirait de venir avec moi, on se fait un petit feat improvisé, tu vois. Ah, je dis, écoute, moi, il n'y a pas de problème, hein, mais j'ai pas trop de temps, tu vois. Il me dit, non, t'inquiète et tout, on fait ça pour rigoler. Je dis, écoute-moi bien, moi, je fais jamais les choses pour rigoler. Je suis toujours méga sérieux. Il me dit, ok, pas de problème. On se met dans le studio, nanani, il me donne un micro. Il me dit, vas-y, on va partir en fa bémol. Je dis, attends, fouine. Là, c'est pas toi qui vas me dire comment je vais partir. Moi, je dis, écoute-moi bien, on va partir en fa. Je lui dis, on va partir en fa dièse. Il dit, mais non, ça pue la merde et tout. Je dis, écoute-moi bien, on part en fa dièse ou je me casse. Il dit, allez, vas-y. Il dit à l'ingé son, vas-y, part en fa dièse. Hop. On part en fa dièse et tout. Il commence sa chanson. Je t'avoue, c'était un peu de la de mer, tu vois. C'était un peu pourri, tu vois. Je me dis, à l'autre, c'est toujours les mêmes histoires, tu vois. Et là, il faisait un freestyle, tu vois. Il me dit, ouais, vas-y, maintenant, à toi, Luthor. Et là, je me mets enchaîné. Nanana, nanana, pa, nanana, nanana, pa, nanana, 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 pa, nanana, nanana. Là, je vois les mecs à travers la vitre. Les mecs, ils sont comme
hallucinant, tu vois. Je vois la fouine, il me regarde comme as, tu vois. Et là, je fais nanana, 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 ta mère la pute, nanana, à toi la fouine. Et là, il me regarde comme ça, il parle pas, il dit rien. Du coup, je renchaîne, je refais, tu vois, nanana, à toi la fouine. Il parle pas, tu vois. Je dis merde, il a fait un AVC ce con ou... Je refais une troisième fois, nanana, 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 et bah, tu vois, je lui mets un coup de coude, tu vois. Type, oh, oh merde, excuse. Et là, il enchaîne. Mais de la merde, il enchaîne de la merde, tu vois. C'était pareil, c'était pourri, tu vois. Et là, on finit, tu vois. La fouine, il part au chiottes, tu vois. Il avait un peu envie de faire caca, apparemment. Bref. Et là, le producteur, il vient me voir. Il me dit, écoute, la chanson, elle est incroyable. Ouais, je dis, écoute, j'ai pas trouvé que c'était ouf au niveau de la fouine. Il me dit, non, non. Il me dit, mais ta partie. Ah, je dis, ça. Il me dit, écoute. Ce que je vais faire, c'est qu'on va garder que ta partie et on va enlever la fouine et je te signe tout de suite. Je dis attends, attends, moi je suis pas comme ça, moi. Moi j'aide un petit artiste comme ça, c'est pas pour lui mettre des bâtons dans les roues de secours, tu vois. Je dis écoute, moi vivant, jamais. J'attrape la bande, tu vois. Je défonce tout. Je défonce la bande, tu vois. Bah, 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 bah. Non, arrête, t'es un fou. T'es un fou. T'aurais été disque d'or, t'es un fou. Là, la fouine, elle arrive comme ça. Il dit, oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Il lâche un petit pétou, je pense qu'il avait dû manger chinois ou un truc comme ça, tu vois. Je dis, non, t'inquiète et tout. L'autre, il dit, ouais, t'inquiète. Je dis, non, quoi, t'inquiète, dis-lui la vérité, écoute-moi la fouine. Ce que t'as enregistré, c'était de la grosse merde. Et là, il voulait couper toute ta partie et me signer moi. Là, la fouine, il regarde comment c'est que sa barbiche, tout ça, il fait, t'es sérieux? Parce qu'il avait, des fois, il avait un petit... Il me dit, t'es sérieux? Bah, l'autre, il dit, non, mais c'est pas ce que tu crois et tout. Ah ouais, bah si c'est comme ça, je prends mes clics, mes claques et je me taille. Bah, je dis, fais gaffe ça frérot, c'est du plagiat, ça a déjà été sorti. Il s'est barré. Et bah moi du coup j'étais comme un connard, tu vois. Bon bah je dis les gars, moi je me casse, hein. Et bah depuis la fouine, ça a coulé quoi. Voilà. Voilà comment j'ai chanté une fois avec la fouine. C'est tout les gars. Voilà, bravo pour vos 10 000 merguez. Et depuis, on va pas se mentir, la fouine c'est pas ouf, hein. Et des fois, vous entendrez, il y a des sons. Il y a des sons, des fois, il chante, et des fois, il fait oh, Luthor. T'entends Luthor en scred. Il fait des petites dédicaces parce qu'il veut que, je revienne. C'est bon. Moi, j'ai changé de numéro. Il me harcelait, hein. Il me harcelait. J'ai dû changer de numéro. En plus, j'étais pas chez Sechoche. Putain, la galère pour changer, frère. Parce que, bon, bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, quoi. Voilà, les gars. Ouais, c'est une histoire de ouf, hein. Ah ouais. Ça, voilà, c'est comme ça, quoi. Je rebois un petit coup, les gars. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bonne eau. Oh, c'est de la bonne eau, ça. Bon, on est remonté. On est remonté au même niveau. Mais c'est pas de l'impro, Limarco. C'est la vérité. J'ai juste à remonter dans mes souvenirs. Ouais, j'étais pas chez Sechoche. Ah ouais, une histoire de ouf aussi. Bon, bref. On est pas là pour ça, les gars. On est pas là pour ça. On peut finir dans les vacances cinémas sur Terre. Hier, hier. Il reste ma banquette arrière. Hier. Ah, on n'a pas regardé la rediff du but tout à l'heure. Oh, on est con. Oh, on est con. Enfin, je suis con. Oh, vous aviez tous voté pour moi. Je vais faire esprit de perdre pour vous faire perdre des points, les gars. Attention, ce match-là, je le perds. Allez, votez, éliminez le maillon faible. Il y a la chanson de Jennifer quand tu mets JCVD. Je sais pas, fro, j'ai pas capté. Ah, je suis con, je regarde mon style, moi. Ah, je suis vraiment un teubé. Ok. Oh là, jeu de possession. Oh là là, il va nous casser le crâne, lui. Oh là là, il va nous casser le crâne, regardez. Ah, j'aime pas jouer contre les mecs comme ça. Oh là là. Le fond musical, je sais pas, mais j'ai pas fait gaffe, c'est possible. Ok. Ouais. Donnez-moi le temps. C'est vrai, j'ai jamais capté. Donnez-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donnons-nous le temps d'avancer comme je le ressens.
Y'a pas d'amour au hasard. Ah, c'est beau ça. Arrête, Anto, je l'ai, frérot. Putain, non, moi je le trouve trop beau. Ouais, mais tu l'as vu en sol sur un site chinois, toi. Allez, Pavel, fais-nous rêver. Putain, quelle voix. Eh ouais, j'ai de très beaux organes. Ah, ils ont tous voté pour moi. La cote, elle va pas être ouf. Hein. Là, le vote contre, il doit, la cote, elle doit être incroyable. Ah, il y a une vente privée Marc Dorcel, les gars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Va te faire suivre. Pourquoi t'es méchant, Bill Neuf, comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? T'as une constipation passagère ou... Tu veux prendre un petit Malox Modestomat? Confie-toi à moi, mon ami. Confie-toi à moi. Ah, je peux pas en parler, frérot. C'est privat, c'est privat. Ah, Oli, ça joue petit zizi maintenant. Ça joue petit zizi. Eh, ça va, mon Anto, fait, avec ton Covid, là? Il est déjà suivi, exactement, mon maninouche. J'allais dire mon ninouche, j'aurais dû dire mon ninouche pour te faire chier. Allez, on veut la victoire. Après, peut-être que Villeneuve, il a pas de second degré, hein, ça arrive. Il y a des mecs qui n'ont pas d'humour. Hein. Pour moi, c'est un handicap extrême de part d'humour. Moi, je sais pas comment on peut survivre dans ce monde sans humour. Hein. Parce que c'est tellement dur. Ah ouais, mais l'autre, il était censé faire possession, il me fait que des L1 triangle. Ah, dur, manteau. Force à toi, manteau. T'as fait tapis sur moi? Ah putain, je le sens pas, je te dis la vérité. Oh non, c'est pourri ça. C'est pourri, Luthor, ce que t'as fait. Tu survis, mais tu vis pas. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tout passe avec de l'humour. Ah, tu rigoles. Bah, on sait pas si tu rigoles, frérot. Parce que tu le dis deux fois, en plus. Oh là 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 là. Bon, bah, désolé, Bill Neuf, alors. Mais j'ai cru que t'étais premier degré de ouf. Pauvre. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra, Bill Neuf. Ici, on n'est pas là pour rigoler, ok? Ah, je suis obligé d'aller loin, il y a trop de pressing. Non. Oh. Tiens, des fois de dégager comme ça, enfin de dégager, de faire un gros rond, alors qu'il faut avoir un attaquant grand, hein, sinon ça marche pas. Sa tête, parce que quand le mec il a un gros pressing. Ah ouais, mais il nous fait des... Jamais tu passes, frère. Pas ce qu'il nous fait. Pauvre Bill Neuf. Allez, je vais t'offrir des merguez. Ah ouais, là, Oli Marcos, c'est dur. Là. Ah, mais j'ai pas mis dégagement en bas. Ça me rappelle le match de tout à l'heure quand j'arrivais pas à faire mon jeu. Je pense que ça va se débloquer. Là, on est un peu contre le script, les gars, encore. Oh, l'autre, ça lui tape la tête. On l'a vu. Faute? Non. Pas là. Ah! Oui, je l'ai. Non. Oui. Allez, monte. Oh. Non, jamais il loupe ça normalement. Cannes, pour l'instant, ça va.
T'arrives à gagner sans concentration. Je suis un peu concentré quand même. Oh, dommage, ça, c'est allé cadrer, celle-là. Le talent, ça s'explique pas. Tu l'as. Pourquoi ? Oh, 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 oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh non! Touche. Tout seul. Une, deux. Une, deux. Oh là là! Putain, l'autre il fait jeu mascarelle. C'est ce qu'on a eu gratuit de Schalke, lui. Mais c'est pas pour lui. Ça va passer, les gars. Je sais que ça va passer. Parce que là, moi je suis à une passe de marquer. Là, si la passe, ça passe. La passe, ça passe. Si la passe, ça passe, tu remets dans l'ordre. Si la passe, ça passe, il y a action. Il y a action de but. Lui, il est quand même loin. Ah. Retrait. Ok, tranquille. La la la. Putain, ils sont tous en défense. Ah, triangle, Luthor! Tu le vois qu'il est dessus! Oh, il a pas continué. Tu peux prendre les éditions club, bien sûr! Ouais, bien sûr, Marco! Bien sûr, Oli! Ah, les éditions club en match day, je crois pas. Les iconiques jeudi, normalement, ça devrait être Liverpool. Bienvenue, mesdames, Rima. Et bienvenue, Lucho, aussi. C'est quoi, Animal Crossing? Ah, non. Bienvenue, les amis. Ah, on est bientôt à 3000 followers. Putain, il me fait chier, lui, hein. Bien et toi, Kaiser. Attends, viens, bon, viens. Ah, bah, c'est quoi? Il arrache kit? Ah non, faut pas jouer. Bah oui, pourquoi il arrache kit? Jokolic? Bah, ah non, faut pas faire match en 3 étoiles, les gars. Voilà, c'est dur, là. Ou alors, c'est que tu t'en bats les couilles, quoi. Ah ouais, non, match en 3 étoiles, c'est dur, hein. Paye le salaire. Allez, les gars, votre salaire, il est là. Mais faut que je vous fasse voter. Faut que je vous fasse voter avant que vous voyez quel adversaire je vais avoir. Bon, bah écoute, hein, pourquoi c'est dommage, il était fort. Hein. Il jouait bien. Salut, F4 Tropical. CCPES, c'est un de mes modos. C'est un de mes modos. Putain, il est fort, ce con. Oh, la cinquième win, les gars. Oh, attention, les gars. Attention, les gars. Jour après, tout est tôt. Allez, hop, on dégage des recruteurs. On s'en bat les goûts. Ouais, 8000 VP, bim. Bim. T'es à quel niveau? Je suis à 900 et quelques. Allez, là, je vous fais voter, les gars.
Parce que là, au moins, il y a de l'enjeu. Je gagne ou pas? Place aux dingueries. Ah là, déjà, ça acolyte, là, déjà, il me fait peur. Et surtout, fais gaffe à ton zizi. Allez, votez, bande de petits hurluberlus, va. J'ai pas compris pourquoi il arrache quitte, parce que franchement, il jouait super bien. Alors, les histoires, faut que je fasse un truc. Qu'est-ce que je peux faire? Ah si, je sais, les gars. Faut que je mette, quand vous mettez une histoire, faut que je mette Père Castor qui apparaît. Pas con, ça. Tu vois, Père Castor qui apparaît. Père Castor, raconte-nous une histoire. Un joueur pas trop fort. Please. Père Luthor. Oh là, bon joueur. Un bon joueur. Bah ouais, voilà mon kid. Toujours et toujours après tout ghetto. Allez, je la veux, ma 5e victoire. Père Mitor. Je vois pas de quoi tu parles, frérot. Pourquoi Père Mitor? Ah non, attends. C'est moi en rose. C'est moi en rose. Ah, on analyse son style maintenant. Voilà. Tu regardais? Bah ouais. Yo Pablito. Bien sûr, je regardais, John. Contre-attaque, passe longue, passe en profondeur. Ok. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Il joue comment, lui? Ok. Il joue avec un attaquant? Oh, ça va jouer très défensif, ça. Très défensif. C'est quoi ton histoire? Que je te dise la mienne. Hey, je peux pas savoir qui tu dis, mais plus pour toi. Quand tu marques, essaie de mettre Lupalinda de Junior. Ah, faut que j'y pense, mon... C'est vraiment des caprices. Je vais chercher la vaseline, vas-y. T'as changé de camp? Oh là, les bâtards. Tu vois, t'as l'air... Je voulais mettre aussi Jean-Claude Van Damme, tu sais, quand il danse comme ça, mais je l'ai pas trouvé en fond vert. Je le voulais en fond vert, tu vois, qu'il apparaisse là, tu sais, qu'il danse comme ça. Mais juste ça, juste lui, pas le fond. Et je sais pas comment on fait pour détourer un mec qui danse, ça, j'y connais rien. Ah, j'y connais rien, gars. Oh. Perla, celle-là, Sickness. Merci, Sickness. Merci, frérot. Putain. Ah, je suis soutenu par la famille. Tu vois, t'as l'air menti. Adopte. Oh, bah, je sais pas faire ça, mon PFM. Ah ouais, ça commence, lui. Ah ouais, lui, il va me plaire. Ah, il va me plaire, Roscoe, tiens. Tu payes au Bangladesh pour 5 euros? Oh! Eh ouais, défense reculée, ma couille. Oh non. Moi, ce qui est chiant, c'est que je peux mettre qu'un seul cible de contre. Mais qui te veut mon avis? Oh, j'ai cru qu'il y avait but. Mais tu le sais, toi et moi. Bah vas-y PFM, écoute, je t'envoie 10, je t'envoie 5 euros, tu me le fais. Hein. Toi et moi. Elle sort. La diva en ligne. Si, j'aime bien la diva en ligne, j'en fais, mais en général hors live. Si, je trouve que le gameplay est bien meilleur d'ailleurs. Oh le gars, c'est... Comment c'est presque 800 ça? Je veux savoir où l'on va et si c'est avec toi.
Centre. Oh, ça joue tellement sale. Non. Putain, même là, il fait un triangle. Même là, il fait un triangle. C'est fou ce qu'on se ressent. Bon, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de faire un match nul. Hein. Oh, putain. Ah ! Elle est pas bonne, la passe. Ça va pas le faire. Ça... Oh là là, la chatte. Mais allez ! Enfin, lui, il met tout sur CR7. Hein. Oh là 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 là. €5, c'est énorme pour eux. Mais je connais pas ce truc-là. Oh ! Il avait décalé son gardien de l'autre côté ! Oh ! Allez les gars, on sait que ça va être dur ce match. C'est la cinquième. Hein. Voilà ! Voilà les gars ! Voilà ! But dégueulasse ! Avec la puissance, bien sûr, la puissance. Allez, un triangle. Contre favorable. Lui par contre on peut lui mettre un vrai score. C'est vu comment il joue. Oh là là, le cafouillage. Pas de conneries, pas de conneries, Luthor. Pas de conneries, Luthor. Pas de conneries, Luthor. Tu es beau et puissant. Tu es un petit zizi, mais c'est pas grave. BAM ! Le 2-0, les gars ! Le 2-0 ! 1 plus 1 égale 2. Non. Et si ! Allez ! Allez, contre script ! Contre Kems ! Putain, il est fort ce con. Allez, 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 c'est pas fini. Allez, on contre. Dégueulasse. Ah, j'ai tenté le triangle de la mort. Vraiment, le triangle qui est calcussal, tu vois. Ah, j'ai reculé avec Dybala. Ah, j'ai fait des vieux une de sale. Hein. Il y a combien ? 45e, les gars, il touche plus le ballon. On connaît. Allez, 46e, c'est bon. La deuxième mi-temps, c'est pour moi, normalement. La deuxième mi-temps, normalement, c'est pour moi. Ouais, mais comment tu fais pour demander ça, PFM ? Ma plus grande série de victoires, c'est 11, frérot. Imagine, tu mets un but. Non, c'est imagine, tu mets un but. Tu marques le 2-0 et là, il fait non. 1 plus 1 égale 1. Donc 1-0. Tu fais quoi ? Je suis chaud en ce moment. Je pense pas atteindre ce niveau cette année. J'avais du mal. Et d'un seul coup, ça s'est débloqué, tu vois. Ouais, ma plus grosse... C'était au tout début du jeu. 11 victoires. Avec Fisher Price.
Pas mal ça. On l'a vu dans l'axe. Ah, dommage. J'ai voulu faire le décalage. Regarde, là, je recule avec Del Piero. Je m'en bats les... Je m'en bats les... Ah, oh, dommage. Depuis que j'ai l'écho. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je parle pas anglais, moi. Je parle pas anglais. C'est ça que t'oublies. Tu veux que je reparle en anglais Petite célébration, j'en ai rien à faire, les gars. Sur du bon son, encore. Et quand... Ce qui est le patron. Et moi. Allez. Ah, merci mon Rachid, merci frérot. Moi aussi, je me pensais pas aussi bon. Il est con, il est con. Oui, mais il est beau. Oui, mais il est con. Oui, mais il est beau. Ah, oh, c'est vrai qu'il est beau, c'est lui. Ah, putain, il est fort ce con. Oh, oh. Arrête là, arrête Luthor, concentration. Tu peux mener 1-0 et te faire remonter. Tu peux mener 2-0 et te faire remonter. Mais tu peux pas mener 3-0 et te faire remonter. Ouais, là, je fais du spectacle, les gars. J'essaye de chambrer. Hein. Il joue tellement sale. Franchement, j'ai aucune pitié pour lui. Hein. Allez, le tacle. Y'a rien, les gars. Brandao, j'ai pas touché. Ouais, je suis à mon niveau 2019. Exactement, Mzula. Monsieur Diallo, votre enfant a des capacités. Dégueulasse. Eh, tu l'aurais fait. Tu l'aurais pas fait en pivot, ta passe, elle aurait été belle. Il est là, Chiellini, les gars. Non, pivot pareil, c'est dégueulasse. Oh, il fait de la merde. J'avais reculé. Ah, oh, Nedved, il est tellement fort. Oh! Oh! C'est le lait cochon! Monsieur Dallo, c'est le prof de SVT, je te jure! Il y en avait un en plus, nous, à Picasso. Tu sais que Titi, il l'a eu? Oh! Oh là là, c'est quoi ce bug? Ah là, il est en panique, les gars. Il sait plus où il habite, là. Oh là là, il y a des petites dingueries quand même, les gars. Tu lui as vendu une caisse, sérieux? Yo MMO, comment ça va, frérot? Ah, il est heureux, Luthor. Il sourit, hein, yo mon GP. Ah, il sourit quand il gagne, ce con. La chatte qu'il a. La chatte qu'il a, la chatte. Et lui, la défense reculée, vous avez vu, elle l'a achevé. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Classics, ouais, bien sûr. Classics existe encore. Sickness, il joue dessus, là. Il joue toujours dessus. Yo, mon poulain. Oh, mon poulain. Comment ça, frérot? Faut que je fasse une séance de coaching avec mon poulain. T'as raté quoi, GP? Ouais, t'as raté un beau live quand même. Une histoire où j'ai raconté comment j'ai fait pour chanter avec la Fouine. Là, je suis normalement, j'ai ma 5e victoire d'affilée. J'ai perdu un match au tout début du live contre un presque 1000. Ah, c'est pas pour lui. Oh là 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 là, la bagarre! Retrait. Tout seul. Et j'ai pris Cannes. Et j'ai pris Cannes aussi, les gars. C'est quand même important dans le live.
Il est fort quand même. Alors champion bientôt GP. Écoute, ça a toujours été mon objectif. Hein. Obligé d'y croire là-bas. Tu n'as pas sorti de la nuit. Oubliné par l'espoir. Obligé d'y croire. Bâti goal. J'ai pas assez de pièces pour le tenter. Parce que ce serait un... C'est pour le tester, parce que tu vois, je pense pas que ça va me plaire. Oh là là, oh là. Et vous remarquerez, les gars, ceux qui me suivent beaucoup, c'est que depuis quand j'ai un petit niveau sympa, c'est depuis que j'ai arrêté de changer de joueur toutes les 5 minutes. Ouais, j'ai tenté le coup de Trafalgar. Oh, dommage. Le meilleur AC du jeu, moi je dirais... Ouais, je dirais Remenigueux. Hein. Je dirais Remenigueux. Non, j'ai pas packé les iconiques de la Roma. Parce que j'ai pas assez de pièces. Et que j'ai pas envie de les claquer dedans. Faute. Même pas. Bon bah écoutez. But. Ah, je voulais refaire la passe à Pavel. Mais en fait, non, c'est même pas ça, GP. C'est que, regarde, la semaine dernière, j'ai fait beaucoup de victoires d'affilée avec le Barça. Et en fait, j'ai remarqué un truc, les gars, que je pensais pas. Je pense qu'il y a un gros rééquilibrage. Et que si t'as plus... Pour moi, je le sens au-dessus de 4500 points. Et donc là, dans cette équipe-là, j'ai pas que des gros joueurs. Hein. Ah, j'ai une équipe forte, hein. Attention, je suis pas en train de dire le contraire. Mais j'ai des joueurs à 80 et quelques. Alors qu'avant, j'avais que des joueurs à plus de 90, 92. Bah, je prenais des rééquilibrages du futur. En tout cas, j'avais l'impression que j'avais beaucoup plus de scripts. J'ai eu combien de pièces? J'ai eu 3000. T'as 3000 pièces GP quand tu prends une édition club. C'est ça, c'est exactement. Et surtout, un truc que j'ai changé également, les gars. C'est que je me suis mis à mettre déjà deux MDF et surtout à mettre un MDF lent. Que ce soit Busquets, Gilberto Silva ou Casemiro, je les trouve trop forts. Et en fait, si tu mets des mecs qui courent partout comme Vieira, ils font des dingueries, ils font des saucisses. Bon bah, cinquième victoire, les gars. Lulu a trouvé sa recette, c'est ça, Mzula. Pirlo, écoute, je le trouve défensivement, il me fait peur. Mais si tu me le dis, je te crois. Maki, t'as un très bon niveau aussi. Hein. Enfin, aussi, bien meilleur que moi d'ailleurs. T'as un très bon niveau, point. Il est pas mal. C'est possible parce que bah, tu le sais très bien. Il y a des joueurs qui... 955, les gars. Je vais screen. Ah, c'était un 900, lui. Comment il peut être 900, les gars? Il faisait que des triangles. Il faisait que des L1 triangle. Robson. Et c'est pareil, il y a des joueurs qui sont bons dans certains dispositifs et pas dans d'autres. Robson, il est fort, je pense, mais pas dans mon dispositif du tout. Screen envoie Sofiane. Ça sert à rien. J'ai pas fait de cinéma, c'est die. Désormais, je ne vais frapper que là où ça fait mal. Ah, le poulain. Tu me chauffes. Encore 5 victoires. Non, il va m'en falloir plus. Ah, t'as vu, Maninouche? Mais toi, Maninouche, tu mérites plus. Hein. C'est pas normal que tu joues bien. Je pense que là, 955, les gars. Je pense qu'il faut faire... Je pense que si je fais 5 victoires d'affilée, on va dire à raison de 3 victoires, ça va faire 15 points, 970. Ah, peut-être à peine 1000. Si je fais 5 victoires, c'est possible. Mais encore. Beaucoup de 700 jouent mieux que des plus de 900. Pff, non, ça, je suis pas d'accord, Rachid. Parce que est-ce que moi, je joue sur les failles? Non. Non, c'est juste que les mecs, ils gèrent mieux le jeu, tout simplement. T'as l'impression qu'ils jouent mieux, peut-être, les 700, parce qu'ils font du beau jeu, etc. Mais moi, je vous ai toujours dit, les gars, pour moi, la grosse différence... D'ailleurs,
Kid le poulain, dites-moi ce que vous en pensez. La grosse différence entre un 700 et un 1000, c'est devant le but. Le 1000, il va avoir 5 occasions, il va en mettre 4. Le 700, il va avoir 5 occasions, il va en mettre 1. C'est tout. C'est tout, les gars. Parce que défensivement, même contre le poulain, j'ai mis des buts. Défensivement, cette année, c'est pratiquement impossible de ne pas prendre de buts. Parce que la défense, elle est chelou. Les joueurs, ils vont faire des trucs bizarres, machin. C'est juste là-dessus que ça joue. Devant le but. À partir du moment où tu arrives à être tueur devant le but, bah ta note, elle monte automatiquement. Si tu regardes tous les 5 derniers... Si on regarde les 5 derniers matchs, j'ai mis un but face à Nezza. Ouais, c'est ça. Ouais, la gestion des temps faibles, exactement. Par exemple, moi, à la 40e, si je mène, j'arrête de jouer. Sans faire tourner comme une tepue, les gars. Mais je ralentis le jeu. Voilà. Ah oui, ouais, tu laisses tirer l'autre, c'est sûr. Regarde, bon là, c'est vrai que là, bon, là, il arrache quitte. Moi, je dis ça, j'ai pas pris beaucoup de buts. Hein. Regarde, 4-2. 4-2, si je mets qu'un but sur mes 4 OK, je perds. Par contre, lui, il m'a bien fistole. Hein, le Ahmed, là, il était fort. Hein. Je vais être payé. Ah oui, désolé, les gars. Prédiction. Vous étiez 35, 39% à penser non. Dont Elche. Allez, et j'ai gagné. Le 5-3-2 est bon, oui. Toutes les compos à deux attaquants, c'est bien. Ouais, c'est ça, exactement, Kid. Salut, mon Xdi, 57. Le mauvais tireur, il voit des cages, il tire. Ouais, mais tu vois, c'est ça aussi. C'est pour ça que cette année, tu peux prendre des buts de n'importe qui. Parce que même de 25 mètres, des fois, tu vas prendre un but, t'as pas compris. Il y a des mecs qui tentent des frappes, c'est vrai, n'importe où, mais des fois, ça marche. T'as plus un radis. Ah. Ouais, il y a le mauvais tireur, il y a le bon tireur, les gars, exactement. Salut mon JJ Joe, comment ça va? Salut Nandi. On va s'ouvrir un petit parc légende, les gars. On mérite. Ah, le mauvais tireur, tu as le mauvais tireur. Le mauvais joueur APS, tu vois, il voit le but. Il tire. Bon. Ah, puis t'as le bon tireur, t'as le bon joueur de PS, tu vois. Il voit le but, il tire. Mais c'est pas pareil, tu vois. Ah, c'est pas pareil. Le mauvais tireur, il voit le but, il tire. Bon. Mais le bon tireur, il voit le but, il tire. Mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Yo, moi j'observe, comment ça va? La chatte qu'il a, la chatte! Le blème, lui, c'est que ce qui marche un jour ne marche pas. Ah non, pas fort. Bah non, justement, le contraire. Justement, je trouve que c'est le contraire. Bah là, on a des très bons mecs. Hein. J'observe, c'est un mec qui est très bon et en plus qui coach des joueurs pro, donc voilà. Et faut vous dire que, justement, en général, ce qui marche, c'est les phases. Et en fait, si tu regardes mes matchs en ce moment, tu vas voir que les buts que je mets, c'est toujours à peu près les mêmes trucs, ça s'appelle des phases. Et puis, goodbye, bom, bom, bom. Oh, de l'or! Yo, mon Jojo! Salut, mon Manu, comment ça va? Nickel système. C'est comme les chasseurs, bien sûr. L'escalade est modernisée. Gestion des temps forts. Ouais, gestion des temps forts, mais c'est surtout des temps faibles. En fait, faut. C'est surtout gestion des moments où tu sais que tu peux prendre des douilles. Engagement. Donc là, t'hésites pas à faire des fautes. C'est des. Voilà. 45e, si t'as le ballon, bah tu le rends pas. C'est-à-dire que quitte à faire tourner à la 45e, quitte à faire tourner 2-3 balles derrière, bah voilà. Et à 90e, pareil. Tu finis à quelle heure le live? On va pas tarder. Ah, pas de légende. Angleterre. Ah. Yo mon Dafi, comment ça va? Leicester, Madison, très bon joueur Madison. D'ailleurs, demain, je l'ai en boost. Reguilon, bon DG. Reguilon qui était au Real. On t'en parle donc bien des failles du jeu. Ouais, voilà, bien sûr. Ouais, mais après, t'as encore les joueurs encore largement au-dessus de moi qui arrivent à gérer tant fort, tant faible. Ça, c'est dur parce qu'il faut déjà le voir. Ben, j'arrive à repérer des fois quand t'arrives pas à ressortir de ta surface. Salut, mon Olive. Là, faut pas hésiter à balancer un parpaing devant, tu vois. Les packs demain, t'as Leicester, t'en as plein. Ah, moi, je peux pas l'ouvrir.
Pourquoi Clavson Bilneuf, qu'est-ce qu'il a ? Brûle, brûle, Babylone brûle. Qu'est-ce qu'il a, Clavson, les gars ? Clavson, pas Clavson. Klaxon, qu'est-ce qu'il a, Klaxon ? Ah, on va aller Red Korg. On va aller Red Korg. Allez, les gars, je vous fais des bisous. Ah, il a disparu. Ouais, je pense qu'il est en famille. Ouais, je crois qu'il n'était pas là pour Noël. On se retrouve demain, les gars, pour paquet, etc. Demain, malheureusement, il n'y aura plus le match day. Juf qui m'a bien réussi, mais du coup, on essaiera de se faire une équipe qui tourne autour de ça. Allez, gros bisous, les amis. N'hésitez pas à aller voir Korg. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et bien sûr, la relive sur YouTube, like, abonnement et tutti quanti. Et quand vous partez sur un raid comme ça, vous gagnez des merguez, chose à savoir.